tu sais, La Rochelle, ils sont une super équipe. Ils ont un très bon jeu, un jeu puissant, un jeu vite. En attaque, c'est une équipe super dangereuse. Donc, on doit être très bon si on veut défendre bien contre cette équipe. On est très heureux d'être là. J'avais joué un match en Afrique du Sud, ça m'avait fait du bien à la tête, mais je n'étais pas prêt pour jouer. J'avais encore beaucoup de raideurs sur l'épaule qui me gênaient énormément pour me lancer. C'est plus le cas aujourd'hui, donc c'est vraiment très bien. Je suis très heureux de retrouver le groupe. J'avais retrouvé la semaine dernière de très bonnes sensations avec les espoirs. J'ai passé un super moment avec les jeunes qui m'ont très bien accueilli. Donc je suis content d'être dans le groupe cette semaine. On a autant de pression que la semaine dernière. Mais maintenant, on sait qu'on est capable de faire de grosses performances. On sait qu'on s'est rassuré sur notre jeu. On s'est rassuré sur l'engagement qu'on est capable d'y mettre. Le but, c'est d'arriver à refaire les performances contre Clermont chaque week-end, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Donc c'est un bon test sur un derby contre La Rochelle, de montrer à tout le monde qu'on est capable de faire un deuxième match avec autant de rigueur et autant d'envie que le précédent. Après, comme on a pu le voir quand même face à Clermont, on a joué un peu plus. Voilà, on a commencé à écarter les ballons. Après, voilà, faut faire les choses dans l'ordre. Faut pas écarter le ballon pour juste faire joli. Faut que derrière, ça mette des choses en place. Mais oui, bien sûr que nous, quand on est trois quarts, on aime toucher du ballon, on aime aller dans les couloirs. C'est vraiment une équipe impressionnante. Voilà, c'est toujours bien d'aborder le match avec pas de la peur, mais un peu d'appréhension. Voilà, ça permet de se transcender aussi. Il faut avoir cette confiance qui nous permet de nous sentir bien et d'être prêt, mais toujours, faut s'attendre à un très gros match.